Parce qu'on va donner enfin le gagnant, Valérie. Ah, du concours photo. Alors, messieurs, je vous explique, messieurs les joueurs. On a lancé un grand concours photo, la meilleure photo du supporter sur Facebook. Et les gens ont mis « j'aime » sur les photos. Et il y a quelqu'un qui a obtenu beaucoup de « j'aime » et nous allons l'appeler avec Evelyne Gaillard en direct. On a eu beaucoup, beaucoup de photos. Vous l'avez constaté, Julien Corbière. Hein. Oui, des photos plus que d'une vous dizaine. Avez envoyées, oui. Effectivement, après l'appel qu'on a lancé lundi, je crois, hein, lundi matin. Oui. Concours photo organisé par France Bleu Périgord. Et on appelle le gagnant. Parce que ça, c'est important d'appeler le gagnant qui a obtenu. Alors, vous voulez savoir combien de « j'aime » ? Plus de 163 j'aime, 43 partages, enfin ça a été énorme. À noter qu'il y avait plein de supporters qui ont envoyé, il y a eu des petites filles, Camille, avec la mascotte du BBD. On voit, Julien Corbière, que les gens prennent des photos pendant les matchs et surtout s'impliquent dans la vie du club. Hein. Les gens se sont pris au jeu, hein. Il y a véritablement un plaisir à supporter cette équipe et être dans l'action. Je ne sais pas si on l'a, ce supporter. Ah ben attendez, ça arrive parce que Arnaud Kerkhoff, il y a vraiment un public qui finalement vous a accompagné et s'est fidélisé au cours de cette saison. Ah oui, c'est monté crescendo. Avec un point d'orgue contre Évreux, et puis depuis Évreux, il décroche pas. Il vous lâche pas. Hein. Ah, c'est vraiment énorme. Alors, justement, le gagnant, il s'appelle Thomas, il est boulanger à Sainte-Eulalie-d'Anse. Bonjour Thomas. Allô Thomas. Oui, bonjour. C'est partout. Non, attendez, j'ai un boulanger, il se lève tôt. Oui, j'ai des appels de partout. Bonjour Thomas. Alors Thomas, cette photo vous représente devant, alors il y a eu des photos dans le BBD, mais cette photo vous représente avec le t-shirt du BBD devant votre four avec des brioches. Oui, tout à fait David. Mais comment vous avez eu l'idée de cette photo? Bah écoute, c'était pour supporter jusque dans le fournil et dans le magasin le BBD, parce que j'ai pas mal de clients dans tout le Périgord, je crois, qui supportent le BBD. Et ben voilà. Donc à Sainte-Eulalie-d'Anse, on supporte le BBD. Ah ouais, il y en a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et malheureusement, moi je suis pas abonné avec le travail, je peux pas y aller. Et boulanger, c'est pas facile, hein. Oui. Mais bon. Eh ben c'est gagné. Hier, hein. Le ballon dédicacé du BBD, c'est un énorme cadeau avec la montée en Pro A. Vous allez pouvoir le revendre sur eBay. Il va aller où je le garde. Il va aller où ce ballon toujours. Il va aller où ce ballon? Ah ben je crois qu'il va être exposé un peu dans le magasin. Ben voilà. Ça va être sympa. Bravo Thomas pour les 163 j'aime. Un petit mot, messieurs les joueurs, pour ce Thomas qui a gagné. Ah bah oui, bravo à lui déjà. Et puis merci de nous supporter et de rameuter un peu tout le monde autour, parce que j'ai l'impression que t'es un petit peu le rabatteur du ah oui. du il village. A rabattu. On essaye. Il a rabattu. Merci à vous surtout de nous faire rêver comme ça, c'est magnifique. Et bah merci beaucoup. Beau témoignage. On va prendre, je sais, Evelyne est en train de me dire, prends les inserts. On va prendre Cédric et Thomas. Merci Thomas, l'autre Thomas, dans un instant sur France Bleu Périgord. Vous restez avec nous. Et Thomas, bravo pour ce beau concours Facebook, bleupérigord.fr, et pour ce beau ballon dédicacé.